Sallallahu alayhi sallallahu alayhi Nous avons raconté dans le précédent épisode que le prophète sallallahu a atteint l'âge de 40 ans. Il avait l'habitude d'adorer Allah sur une montagne appelée Jabal al à l'intérieur d'une grotte nommée Ghar Hera. Ghar veut dire grotte en arabe. Mais un jour, alors qu'il avait 40 ans, au mois de Ramadan, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa était dans la grotte en train de méditer et de prier Allah comme à son habitude. Savez-vous ce qui s'est passé, mes enfants? Ce jour-là n'était pas ordinaire. C'était un jour très spécial. Allah a choisi ce jour-là pour envoyer un ange afin d'enseigner au prophète Mohammed les premiers versets du Coran. Connaissez-vous le nom de cet ange Qui peut me répondre Oui, c'était Jibril alayhi salam, qui est Gabriel en français. Le prophète Mohammed était assis dans la grotte à prier. Lorsqu'il a reçu la visite de Jibril, Jibril lui dit Écra, qui veut dire lit. Je ne sais pas lire, répond le prophète. L'ange le saisit et le serra dans ses bras avec force, puis le lâcha et dit Lis. Le prophète répéta Je ne sais pas lire. L'ange le serra une deuxième fois jusqu'à l'étouffement. Après quoi, il le lâcha et dit :« Lis. » Le prophète insista :« Je ne sais pas lire. » L'ange Gabriel, qui est Jibril, le saisit une troisième fois. Ensuite, il le lâcha et récita cette fois-ci <white noise> Lise au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Li ton Seigneur et le très noble qui a enseigné par la plume, le Kalam, qui a enseigné à l'homme. Ce qu'il ne savait pas. Puis, Djibril disparut de la grotte. Le prophète Mohammed a eu tellement peur qu'il se précipita hors de la grotte et descendit de la montagne. Il se dépêcha à rentrer tout tremblant et transpirant chez sa femme Khadija. Pourquoi avait-il peur? parce qu'il ne savait pas encore que celui qui lui a rendu visite dans la grotte était Jibril alayhi salam, un ange plein de bonté et de gentillesse, qu'Allah a envoyé pour enseigner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa le Coran, la parole d'Allah, qui guidera les gens vers le bon chemin. Quand Khadija ouvra la porte, elle trouva notre prophète salallahu alayhi wa sallam, tout tremblant. Zammilouni, zammilouni, disait-il. Cela veut dire enveloppez-moi et couvrez-moi avec une couverture. Khadija lui apporta une couverture et l'enveloppa jusqu'à ce qu'il se calma et que sa frayeur se dissipât. Elle était très inquiète pour lui. Quand il s'est calmé, elle lui a demandé ce qui lui est arrivé. Alors, il raconta à Khadija ce qu'il venait de vivre, en ajoutant J'ai eu peur pour ma vie. Khadija lui répondit Allah ne t'humiliera jamais. Elle savait très bien qu'Allah le protégera de tout mal. Savez-vous pourquoi Elle lui a dit Tu es bon et généreux avec tes proches tu aides les pauvres. Tu assistes les nécessiteux, tu honores tes invités et tu fais triompher la vérité. Tu possèdes les qualités les plus belles et les plus rares. Elle était apaisée et elle a rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'en ayant d'aussi grandes qualités, il n'avait rien à craindre. Khadija lui a proposé d'aller voir son cousin et de demander son avis. Le cousin de Khadija s'appelle Waraka ibn Nawfal. C'était un homme âgé, il était très vieux. Il lisait beaucoup de livres et connaissait beaucoup d'informations sur les livres envoyés par Allah pour guider les gens dans le droit chemin. Waraka savait qu'Allah allait choisir un prophète, qu'il allait être le dernier messager et allait transmettre au monde entier le message d'Allah. Le prophète Muhammad (salallahu alayhi sallam et sa femme Khadija sont allés voir Warqa et ils lui ont raconté tout ce qui s'est passé. Que pensez-vous que Waraka leur a répondu Après que Waraka les ait écoutés, il a regardé le prophète Muhammad alayhi wasallam, affirmant Celui qui est venu à toi dans la grotte est l'ange Gabriel, Jibril (alayhi salam). Jibril alayhi salam, et l'ange que Dieu envoie à tous ses prophètes. Puis il reprit avec une voix triste. Ah, si seulement j'étais jeune, je t'aiderais quand les habitants de Makkah te chasseront de la ville. Le messager d'Allah demanda étonné Vont-ils me faire sortir de la Mecque? Oui, ils vont te chasser, répondit Waraka. Il ajouta « Chaque prophète envoyé par Allah aura des ennemis qui se battront contre lui. Mais si ce jour-là je me trouve en vie, je serai à tes côtés et je t'aiderai énergiquement. » Le vieil homme Warqa se leva et s'inclina pour embrasser la tête du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa Il réalisa que c'était l'homme qu'Allah avait choisi pour être le dernier messager envoyé au monde entier. Mais que va-t-il se passer lorsque les infidèles de Makkah apprendront cela Nous continuerons au prochain épisode. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed. Allahumma salli wa ala 嗯